Nang's Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver, surtout que nous allons parler des choses extraordinaires qui vont peut-être choquer quelqu'un. Mais nous sommes là pour apprendre des choses, pour découvrir des choses, et ce sont des choses qui vont nous sauver la vie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement la vie sur la terre, mais c'est aussi la vie après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce que les gens deviennent? Mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous intéresser à cela, et en particulier aux faux ombres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont mes ombres, mes frères et sœurs. Mes ombres sont ici. Comment trouvez-vous mes ongles? On va dire que ces ongles sont naturels. Mais quand on parle de faux ongles, ce sont des extensions. Ce qu'on ajoute carrément là, afin que ça puisse tout simplement embellir notre ongle, ou encore nos ongles. Et on ajoute la plupart du temps les vernis, toutes ces histoires. Bon, de toute façon, vous verrez ces images. Est-ce que ces choses sont autorisées, mes frères et sœurs? Franchement, nous ne savions pas que ce n'était pas autorisé. Mais c'est grâce à des témoignages puissants et même la parole de Dieu que nous avons découvert effectivement que ces choses comme les faux ongles, les faux cheveux, les rouges à lèvres, toutes ces histoires ne sont pas autorisées par Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, nous serons surpris de voir ces choses. Puisque nous sommes dans une vidéo-analyse, nous découvrirons ensemble toutes les images qui nous rappellent toutes ces histoires. Ça va être chaud. Bien, avant d'aller plus loin, nous devons vous dire, mes frères et sœurs, que dans les témoins que nous avons reçus, nous avons entendu même découvrir que les faux ongles viennent des sirènes. Et ces faux ongles-là, ou encore les ongles des sirènes, la possibilité de pousser, de devenir très long, comme des armes, comme des couteaux, et elles utilisent pour poignarder leurs victimes dans le cœur, qu'elles arrachent le cœur. Si toi tu es un homme et que tu es tombé sur les traces d'une sorcière par exemple, cette sorcière-là peut tout simplement faire grandir ses ongles et utiliser ses ongles comme un couteau. Et c'est exactement ça. Donc quand les femmes de ce monde ont de telles choses sur elles, c'est que elles sont tout simplement en train de l'adorer dans leur comportement. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Regardez la première image s'il vous plaît. Waouh, qu'est-ce que c'est? On voit carrément une femme avec de beaux ongles, de jolis ongles. Et ses ongles sont vraiment plus jolis que jolis. Mais là, le problème ici, c'est que ces ongles-là ne sont pas des ongles naturels. Ces ongles-là sont des ongles artificiels. C'est ce qu'on appelle pour la plupart du temps de faux ongles. Regardez vous-même. Et c'est beau, hein? Avec une couleur pas mal. Waouh! Regardez encore. Mais c'est extraordinaire, ça. Ouh! Regardez-moi ça. C'est hors du commun. Comme vous le voyez, ce n'est pas laid. C'est plus beau que beau, mais quand on découvre que ces choses viennent du monde des sirènes, nous, les humains, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter la parole de Dieu même qui nous dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ça, c'est une œuvre des ténèbres. Ce sont les démons qui ont influencé, qui ont inspiré certaines personnes à faire ça. Waouh! Là, ça devient assez chaud, hein? Ça devient même plus chaud que chaud. Regardez encore ça. Aïe, 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 aïe. Là, ça devient encore plus grand que grand. Et ce qui est sûr,
c'est que peut-être même que toi qui les as étudiés, ma soeur, assurément tu as ça sur toi. Est-ce que c'est laid? Est-ce que c'est vilain? C'est pas vilain. Je vais pas te mentir, mais je te dis que c'est vilain. C'est joli. Mais il faut obéir à ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ne faisons toutes ces histoires, toutes ces extensions. Ah, posez la question d'où ça vient. Les faux cheveux, les faux ongles, les vénères ongles, les make-up. Et toujours nous recevons des témoignages qui nous racontent que toutes ces choses viennent de notre monde. Les gens se posent, les femmes se posent même la question de soi-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce qu'elles aiment ça. Elles aiment les faux ongles. Et puis c'est joli. Mais il y a un élément qui va t'aider même à bien comprendre. C'est faux. On dit faux ongles. Faux ongles. Ah! Quelque chose qui est faux, tu vas le poser sur toi. Là, ça devient compliqué. Regardez ça. Les femmes aiment vraiment les faux ongles. Oh, ça c'est un nouveau témoin qui vient de venir. Vous pouvez regarder la vidéo. Ça va vraiment vous faire du bien, c'est sûr. N'en serait pas là. Ça parle de quoi? Ça parle des démons. Là encore, c'est une autre histoire. Et quand on va plus loin, regardez ça. Waouh! Là, il y a plusieurs couleurs ici. Même les couleurs qu'on se met sur les cheveux, sur l'un côté de ses cheveux, toute cette peinture-là, c'est interdit. Tout ça. Regardez encore. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau? C'est très beau. C'est joli. Mais regardez comme c'est blanc. Ouh! Wow! Regardez comme ça brille aussi. Tes ongles sont en or, quoi. Mais quand on regarde ça, on a l'impression que ça devient finalement des armes de guerre. Il y a un youtubeur populaire qui a utilisé, qui a mis des faux ongles sur ses ongles. Des ongles très longs, comme les ongles que vous voyez ici. Ah! Vous comprenez qu'il y a un problème. Et ce youtubeur-là voulait passer juste les 4 heures avec ses faux ongles-là. Il avait même du mal à aller aux toilettes. Parce qu'il ne pouvait plus utiliser ses mains. Vous avez vu, ce sont des choses bien pointues. Même si c'est court, ma soeur, c'est la même chose. Ne dis pas comme c'est long. Non, même si c'est court, il faut garder tes ongles naturels. Il faut garder tes ongles à la naturelle. Regardez les hommes. Les hommes n'ont pas de problème à ce niveau. On voit que c'est le diable qui essaie de combattre même les femmes. Ils combattent les femmes avec les tenues des tenues bizarres qu'on appelle les vêtements sexy. Le diable arrive à voir les femmes comme ça. Ah, mes frères et sœurs, regardez comme c'est beau. Tout ça, c'est pour séduire même ma soeur qui regarde cette vidéo. Toi-même, ma soeur qui regarde cette vidéo, est-ce que ça ne te plaît pas? Toi-même, tu as envie de nous dire merci de nous avoir fait cette vidéo. Parce que ça t'a permis de voir des choses jolies que tu n'as jamais vues de ta vie. Putain, mais que tu dois les reproduire. Ma soeur, s'il te plaît, fais le bon choix. Regarde ça. Regardez ça. Waouh! Mais à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Toutes ces choses sont de ce monde. Ça ne va même pas suivre quelqu'un ici jusqu'au paradis. Mais regardez, vous-même, nous devons vraiment comprendre et découvrir réellement ce qui ne va pas. Et waouh, c'est tellement joli que j'ai du mal à y croire. Vous voyez, vous faites cette vidéo nous-mêmes, ça nous touche un peu. Parce qu'on voit ces choses sont vraiment jolies. Le diable, il embellit la chose et après il te dit, ça l'appartenait. Et toi, tu as utilisé ces produits dont il t'a eu. C'est comme ça que le diable parle. Il dit, ah, toutes ces choses que tu as utilisées sur toi, toutes ces choses m'appartenaient. Donc, comme puisque tu les as utilisées, c'est que je t'ai eu, tu m'appartiens. C'est comme ça, c'est ainsi que les gens meurent, les femmes meurent et elles se retrouvent plus tard en enfer à cause des faux hommes. Parce que, je vais vous dire, parce que Dieu ne reçoit pas des gens que de faux hommes
sur les femmes que nous faisons comme ça sur les doigts au paradis. Si tu vas, tu dois savoir, quand tu vas perdre la vie, tu vas mourir. De la manière que tu es morte avec tes faux hommes, c'est comme ça que ton âme aussi sera revêtie de faux hommes. Et on pourra voir ça sur toi. Les anges et les démons pourront te voir. Et les démons vont t'accuser à cause de ça. Ils vont te dire qu'un jour, tu as regardé sur internet un homme qui te parlait de cela, les faux hommes. Et toi, tu as dit, les faux hommes sont jolis. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à toutes ces choses. Et regarde les problèmes où tu te trouves aujourd'hui. Dieu regarde au cœur, effectivement, Dieu regarde au cœur. L'apparence aussi, ça intéresse. Pourquoi on dit ça? Laisse ta fille porter un vêtement sexy. Et toi, tu vas voir ce que ça fait si tu es consciente. Ou bien, va à l'église et t'es habillé comme une prostituée. Même pas seulement à l'église, dans un lieu, un milieu professionnel. Habille-toi de façon sexy. Et puis arrive là-bas. Là où même on voit que ton mini là, c'est 2 cm. Tu vois ce qui va se passer, comme les gens vont te regarder de façon bizarre. Moi je dis, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est pas que ici là, ce n'est pas un lieu de prostitution. Mais mes frères et sœurs, si on ne vous dit pas toutes ces choses, vous n'avez pas quoi. Regardez. Même les bijoux qu'on se met dans le doigt là, comme ce que vous voyez dans ces doigts ici, comment ça s'appelle? Le ring. En anglais, ça s'appelle ring. C'est comment ça s'appelle? Bague. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Regardez encore. C'est encore ça. Et ça? Ouh! Va-t-elle réussir ce challenge en perçant carrément ce fruit avec ses ongles, ses faux ongles? C'est possible. Et ce qui est étrange, c'est que cette femme, après avoir mis de faux ongles sur les doigts, elle se retrouve plus tard avec des ongles assez compliqués. Oui, il y a certaines femmes qui disent que les ongles s'enlèvent. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience-là? Il y a ici la partie commentaire. Parce que on place d'abord de la colle sur vos vrais ongles, sur laquelle vous positionnez ce faux ongle-là. Est-ce que pour l'enlever, c'est facile? Bon, là, les femmes vont nous en dire plus. Un jour, dans le groupe, t'as dit qu'il était en foyer, il voulait moi aussi mettre des faux ongles comme ça. Non, pas des faux ongles, des vernis. Je me suis dit que ça allait embellir, même protéger, même les vraies ongles. Mais vous pensez que Dieu n'a pas fait l'homme parfaitement? Mais bien sûr que oui. Il a fait Dieu l'homme parfaitement. Il lui-même a dit que l'homme est parfait. Ah! Quelle idée qu'on a que je dis là, qu'on doit forcément faire, mettre des faux ongles comme ça. Nous devons arrêter à la nature, mes frères et sœurs. Regardez ça. C'est tellement beau que vous ne souriez même pas que le diable est derrière. Oui, c'est tellement beau que vous ne souriez pas que les sirènes même sont présents. Ce sont eux-mêmes qui inspirent les gens à créer de nouveaux looks, de nouvelles ondes, toutes ces histoires comme ça. Waouh! Vous avez vu ma réaction? Je suis même surpris. Waouh, oui, regardez-moi ça. Je suis étonné, mes frères et sœurs. Waouh. Les ongles, ces ongles sont multicolores. Ou bien, comment ça s'appelle? Il y a du vert, du bleu, du rouge, avec un peu de noir à l'intérieur. Waouh. Mais à quoi ça sert? Qui est derrière tout ça? Qui permet cela? On se colore les cheveux, on se teint, on met de la couleur, on fait peinture. Mais vraiment, mes frères et sœurs, sortez de ces choses si vous êtes là-dedans. Parce que toutes ces choses-là, vraiment, on vous dit que les sirènes utilisent cela, les ongles, qui deviennent pointus, qui poussent comme des âmes. Ah, tu vas déjà regarder X-Man. Il y a un film qu'on appelle X-Man. Là, X-Man, le gars, quand il fait comme ça,
y a des choses qui sortent de l'enfer. De la même façon, les sirènes, il y a des longues ondes qui sortent de l'ennemi. Et tout ça, ça prouve qu'effectivement, ce sont les sirènes qui sont derrière la fabrication de telles ondes. Elles ont même des entreprises ici, des magasins ici, des sociétés qui fabriquent même de telles ondes. Rien que pour piéger les femmes. Et un jour, dans un témoignage, on a vu une sirène qui disait « Oh, toutes les femmes vont m'appartenir. Toutes les femmes de la terre vont m'appartenir. Elles vont toutes m'appartenir. » On dit « Mais pourquoi ?» Elle dit « Parce qu'elles ont des choses qui m'appartiennent sur elles. Elles ont des choses qui m'appartiennent sur elles. Comme les faux ongles, les vénères ongles, les vêtements sexy. C'est moi qui les ai créés. C'est moi qui les ai inventés. » Toi, elle peut même me dire que c'est faux. Et elle est peut-être de rire comme ça. Parce qu'elle sait que beaucoup de femmes ne vont pas écouter les nouveaux avertissements. Ah, ma soeur, il faut écouter. S'il te plaît, écoute seulement. Sinon, toi, tu peux faire des recherches. Mais les témoins pour ceux qui parlent de faux ongles, se trouvent sur la chaîne Nascobon. Tu peux aller regarder. Mais ouvre tes yeux grandement comme ça. Et regarde, découvre exactement ce que tu dois découvrir. Les choses qui vont t'aider à évoluer. La vie après la mort, c'est ce qui nous intéresse. Tu as de l'argent, tu as les richesses de cette terre. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, franchement, ce n'est pas bien. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Là, maintenant, c'est invisible. La sorcellerie est cachée derrière tous ces produits cosmétiques, derrière toutes ces histoires, ces accessoires de beauté. Voilà. C'est plutôt un œil. Luciférien, c'est plutôt l'œil du diable ou encore des démons qui sont derrière. Et ça, si vous me dites que vous ne connaissez pas ce que ces signes-là signifient, vous allez vous dire, chercher à savoir quels sont les signes sataniques. Cet œil fermé et cet œil ouvert ici, le tout réuni, cet œil qu'elle a mis en expression représente l'œil du diable. En même temps, on parle du contrôle mental. En fait, les hommes sont contrôlés par les démons. Et ce sont les démons qui contrôlent les hommes, les femmes plutôt, et qui les envoient à même, qui les poussent, nous, on pourrait dire, à utiliser tous ces produits de beauté qui vont les conduire plus tard dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Je pense que là, c'est lui. Regardez ça. Ah! Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est plus belle que belle. Dans ce niveau de la compétition, on va dire, sans envie de se tromper, qu'elle est déjà perdue et nous devons prier pour elle. Mais avant de faire sa délivrance, quand tu viens à l'église, ma soeur, avant qu'on fasse sa délivrance, tu dois commencer par enlever tout ce que tu as sur toi, tout ce que tu as mis sur toi, tous les produits de beauté, tous ces histoires qu'on t'a montrées. Tu dois tout simplement les enlever, les sauter de ton chemin et demander à Dieu de t'aider. Dieu lui-même va t'aider. Dieu lui-même va te secourir. Et c'est exactement ça. Une femme qui était allée dans une délivrance, une scène de délivrance. L'homme de Dieu prie pour elle, ça ne marche pas. Pendant des heures, ça peut souffrir sur la femme là. Et quand Dieu va demander à l'homme de Dieu de couper ses cheveux parce qu'il y a un démon là-bas, c'est là que le démon lui-même va réagir pour dire qu'effectivement, il contrôle la femme par ses cheveux. Et ses cheveux sont une porte d'entrée au démon. C'est par les cheveux que ce démon-là la contrôle. Est-ce que c'est faux? Même dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? On parle de faux cheveux. Hein? Dans la Bible, il y avait Samson qui avait des vrais cheveux. Des vrais cheveux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait son pouvoir se trouvait dans ses cheveux. Et ces femmes-là, les femmes qui vont tout simplement avoir de faux cheveux, elles maintenant, ce sont les démons qui vont les contrôler au travers de leurs cheveux. Or, les cheveux sont faits pour glorifier Dieu, pas les démons. C'est là où vous voyez que le diable veut vraiment éloigner la majeure partie des femmes du chemin de Dieu. Et c'est là où vous allez vous réveiller, mes frères et sœurs. Vous allez vous réveiller. Le diable se trouve effectivement derrière tout ça. Il faut découvrir cela aujourd'hui et en sortir. J'espère que cette vidéo t'a aidé, ma soeur. S'il te plaît, ne suis pas ton cœur. Écoute tout ce que nous t'avons dit et Dieu lui va t'aider dans cette démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.
Ne manquez pas de vous abonner, cliquez sur j'aime. Si vous aimez ce type de vidéo, cliquez sur j'aime. Ça va nous aider, ça va aider le site YouTube à aimer la vidéo et puis partager la vidéo un peu partout pour que d'autres personnes puissent la voir. Peut-être que des gens vont être sauvés, peut-être que vous allez même être sauvés. Faites du bien à votre entourage. De toute façon, si j'en ai des faux hommes, tu auras des jolis hommes comme moi. Et ces jolis hommes sont naturels. N'est-ce pas vous-même les femmes qui dites la plupart du temps, « Oh, laisse-moi, moi, je suis à la naturelle, tout ce qu'il y a sur moi, c'est naturel. Mes cils sont naturels, mes fesses sont naturelles. » Ah, donc vous voyez que finalement, là, être naturel, là, c'est bon. C'est là, on va vous attraper maintenant. On va vous la petite deux, ça va être chaussure. Non, c'est pas... Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh, la suite.